Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Immigré étudié. En pile monde peut dire rendez-vous que vous gagnez pour y aller chercher visa ou bien pour y aller faire des papiers dans OIM qui c'est instance qui fait liaison entre ambassade Brésil avec monde qui fait des bal visa yo. En pile monde peut dire rendez-vous yo parce que yo pa konn ki jan pou yo prepare piyes yo ou bien pou yo prepare dokiman yo. Jodi a, nou pral eksplike ou koman pou prepare dokiman ou pou ke ou pa pedi randevou. Parfwa, gen moun ki pa metrize kisyon internet lan, gen moun tou ki pa gen tan, yo oblije peye yon moun pou randevou pou yo. Randevou a patasi li gratis, li pa ta supposé payer. Mais parfois gen moun ki oblige perdi plusieurs nuits à veiller ki les OIM ap mete rendez-vous disponible. Ça rend à cause moun n'a perdu dormi li même li kon di faut ki yo paye pour ça. Parfois tout si que moun n'a pas vraiment maîtriser internet, il n'est pas capable de rendez-vous. Et parfois, il y a la gueule, les gens ne pas même connaître, même si quelqu'un qui connaît. Ça fait que en pile de monde obligé de payer bien cher, je dis bien cher, en américain pour prendre un rendez-vous. Eh bien, si vous n'avez pas aimé, ça arrive où? Pour que ou fin pour rendez-vous, ou fin de rendez-vous non même l'arrivée dans OIM qui c'est instance qui fait liaison entre vous même ambassade Brésil et puis pour perdre rendez-vous à cause document ou yo pas correct yo obligé de al prendre l'autre rendez-vous et puis préparer document et moun sorti payant si c'est famille ou bien si son moun Paul dit que doit veiller les bon rendez-vous pour rendez-vous pour mais sinon il va prendre rendez-vous pour vous encore. C'est payer pour payer notre argent encore. Bon, moi crois que nous tous connaissons PSU déjà. Et moi pour expliquer nous. Moi pour réexpliquer nous tout. Avec un pile de détails qui gens pour nous préparer document nous pour que nous ne perdions pas rendez-vous. Ça m'a expliqué dans la vidéo ça. C'est pour les gens qui ont fait une demande de visa humanitaire simple. Ça veut dire que c'est pas un groupe familial. Qu'a fait une demande visa humanitaire simple. A dit pour leur lever là ou même, ou son fille ou son garçon, ou dit bon, ok, ou va donner un visa. Parce que vous êtes un monde qui est majeur, ok, ou dit ou va demander un visa pour aller au Brésil. On va l'expliquer. Premièrement, on a besoin de passeport qui est valable pour petit 6 mois. Mais faites tout moi impossible pour un an le moment où tu as déposé pour passeport plus que 6 mois. Parce que OIM qu'on prend temps avec visa, avec passeport en amène avant le bon visa, il qu'on bail passeport, il qu'on remet passeport expiré en amène. Parfois même visa expiré. Comme les visas expirés, ça est arrivé dans l'époque et pandémie, Brésil est sorti en. Il y a un décret qui te permet d'élargir la date de validation de visa. Font façon pour que le passeport soit capable de gagner plus de temps que possible. Vous avez besoin d'une photo, format récent. Pas faire photo avec mon foie tête marée, cache un chapeau, képi. Pas faire comme ça. Pas faire avec lunettes noires, etc. Faire une bonne photo d'identité pour que vous capable de porter à lui. Vous avez besoin d'un extrait casier judiciaire qui est DCPJ à Baou. Parfois, DCPJ a posé des problèmes, surtout pour les gens qui étaient en province. Parce que longtemps, DCPJ a été plus facile, mais DCPJ a été vraiment difficile. Parce que longtemps, il était en sur 8 jours. Après ça, il est sur 15 jours. Après ça, il est sur 22 jours. Il n'y a pas combien lié. Et
Lorsqu'on arrive là dedans, qu'on fait journée hein, et l'on va chercher le package ni non pas le package non etc etc. Sous le Port-au-Prince, wap et fait dossier de CPJ, à dire vous parlez des casiers judiciaires de dossier de CPJ, faut qu'on fait ça bonheur. Ok? Il y a un autre bagage qui est extrêmement important. Avant même vous prendre rendez-vous, gardez pour voir si document qui pas expiré, qui remplit le temps avant d'expirer, ou qui pas expiré pour ta faire. On va le qui est sur lui. Si vous êtes en province ou avez des difficultés pour entrer Port-au-Prince, pour venir faire des CPJ, etc., vous devez aller dans le tribunal de première instance, comme vous avez accepté par le Bouquet, vous accepté et pas le tribunal de première instance pour Port-au-Prince là. Vous devez aller dans le tribunal de première instance ou faire un casier judiciaire pour vous. Lui-même, je pense que vous avez fait le Jérémie et tout. Dans la première instance, quand on soutient. Et puis, laisse ça, on est capable de servir ensemble avec lui dans la place casier judiciaire que et le CPJ bah, là. Parce qu'il a accepté ça lui-même dans l'OIM. Deuxième bagage, et l'autre bagage ensuite, on a besoin d'une réservation de billets d'avion. Réservation de billets d'avion, ce n'est pas un billet d'avion lié. Son sort d'itinéraire qui explique le parcours. Par exemple, on va sortir et l'on va voyager, on va sortir et aéroport international de son ouverture pour aller à São Paulo ou bien pour aller à Fescal, soit à Panama, soit à Bogota, soit à l'autre côté. Ça c'est, on va avoir un agent de voyage ou bien sur le monde qui se met la question, on va faire le pour. Ou bien ou même tout sur le compte d'arrêt, ça va faire le tout. Il y a des gens qui vont faire, mais il y a des gens qui vont faire tout. Il y a un petit cop dans le monde, puis ils vont faire le pour. Comme ça, il y a des gens qui vont faire le pour. Ok? Pour faire le pour. Parce que je connais un peu l'haïtien, c'est comme ça, oui. Mais comme ça, il y a des gens qui vont faire le pour un petit paiement. Et ni paiement, hein? Et généralement, ils ont toujours demandé américain. On a besoin d'une carte internationale de vaccination. Ça, lui-même, plusieurs monde fait li, y a li nan ministère de la santé publique qui biroule qui c'est dans zone et Maïgaté, zone pi ou la Croix Rouge là, c'est là yo konn al fèl. Mais son lettre yo konn bay parce que yo di yo pa gen vaccin ça. OK? Yo pa gen vaccin, son lettre yo konn bay. Mais en fait, moun yo konn rive et dans rentrer et Brésil là, m'a parlé de l'aéroport, d'arriver dans l'immigration, il va même demander des bagages comme ça. Mais si vous êtes capable de faire le toujours parce que nous sommes en 2018, 2019 était 50 dollars haïtiens, ça veut dire 250 gouttes là. Après ça, vous avez besoin d'extrait archive, ça veut dire extrait d'acte de naissance là, que vous avez fait archive nationale. Extrait archive là, il faut le légaliser. D'abord, on va le paquet avec lui. On saute paquet avec lui. Pour viser lui, on saute paquet avec lui. On va aller dans le ministère affaires, ministère de la justice ensemble avec lui. Pour légaliser lui. Le on fait une barre lui. On va aller avec lui dans le ministère des affaires étrangères. Parce qu'il faut légaliser deux côtés ça plus visé par le paquet. C'est extrêmement important. Après ça, on a besoin reçu original qui vous payez 60 dollars américains dans Songe Bank sous nom OIM. Numéro compte là depuis arriver dans OIM. Non, depuis arriver dans Songe Bank ou vous venez payer pour OIM, il y a bon numéro compte là. Numéro compte là c'est 26 16 02 79 89 26 16 02 79 89. C'est ensemble documents ça yo ou a besoin. Par exemple, yon nan bagay qui capable faire que ou perdi
rendez-vous que vous t'es payé prend ou bien que vous même vous t'es prend et qu'il y a rendez-vous pas facile c'est rarement gon yo la gué rendez-vous yo ça veut dire mettez rendez-vous disponible ou même qui veut aller au Brésil lors d'un rendez-vous faut qu'on qui gens prépare document pour pas perdre rendez-vous par exemple si ou rive an da OIM, la verifye pièce sou, yo jwenn extrait archive la pa légalisé. Nan tout côté sa yo. Passe paquet, visé, li passe ministère de la justice, li passe ministère des affaires étrangères. Ministère de la justice, ministère des affaires étrangères, c'est deux timbres pa acheter nan DGI à 102 goud. Sou nom, a dit sou nom moun extrait archive la ya. OK? Pour al légaliser, pour al légaliser. Et puis paquet li même li prend font ti frais nan men. OK? C'est comme ça. Parce que sous rêve document pas légalisé, il y a dit monsieur, madame, mademoiselle, eh bien vous obligé à légaliser document là et puis pour un autre rendez-vous. Ou bien quand il y a après l'eau menti pas après l'eau vrai. D'après li rare pour la relo. Li rare difficile en pile pour la relo. OK? Par exemple photo encore, si photo pas bon. Gen moun devant ou yon qu'on aura fait photo. Mais là ça ou pas le payer pour il pas vaut tant en font bon photo fini photo identité fait même avec photo passeport qui pas gain problème. OK, par exemple casier judiciaire là, dans casier judiciaire là faut toute information sur maman sur mon rapport qui nan extra archive là li même avec ça qui dans casier judiciaire là tant pour soit fait dans soit fait dans le tribunal première instance. Il faut que lui-même, depuis qu'il y a un bagage qui est différent là-dedans, il y a une lettre qui est différente là-dedans, toute information qui a sous casier judiciaire là, depuis qu'il y a sous acte de naissance là, allez sous extrait acte de naissance là, il faut que lui-même, si ce n'est pas ça, il va perdre rendez-vous. OK? Et puis, en gros, c'est ça qui est plus important, il va préparer pièce, il va ranger document pour que vous capable à déposer dossier dans OIM pour visa Brésil. C'est un plaisir pour nous dire que la caillou et pas oublier quitter un petit pouce bleu sur mes vidéos. Pas oublier abonner pour pas rater aucun dans vidéo qui nous pral mettre pour vous pendant que vous activez si cloche là. Chaque fois vidéo disponible, on va venir une notification qui dit mais il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Merci.